Donc TGS deuxième jour, nous sommes sur le salon Pix & Love avec Eric Chahi, créateur de jeux vidéo et qui est aussi un grand fan du TGS et un grand fidèle. Alors on vous avait vu vous promener tout à l'heure dans les allées, qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant sur ce salon? Ce que j'adore c'est en fait c'est le cosplay, ça m'éclate complètement de voir toutes ces personnes déguisées, c'est super coloré. J'ai pris des photos de ces personnes, c'était chouette. D'accord. Et c'est quoi le cosplay qui vous a le plus marqué alors? Alors je connais pas bien tous les personnages, donc j'ai avoir du mal à décrire. J'aime bien les personnages manga avec les cheveux colorés, mais aussi des personnages en armure. Donc des armures qui semblent super lourdes, super imposantes, mais en fait c'est que de la mousse, ça c'est assez fun. Et ouais, on a beaucoup de cosplayers d'ailleurs parmi les spectateurs du TGS, hein, les visiteurs aussi, et il y a un gros concours de cosplay qui est organisé, est-ce que vous êtes allé jeter un œil? Et non, malheureusement je n'ai pas eu le temps. Moi. Peut-être l'année prochaine alors. Oui. Alors on va revenir un petit peu sur votre carrière. Donc Another World c'était en 1991, un jeu à succès évidemment. Est-ce que la création de ce jeu, ça a été un long fleuve tranquille ou un parcours semé d'embûches? C'était un très long fleuve, avec des moments calmes et puis des moments où, d'accélération avec des gros rapides, surtout vers la fin. Il a fallu vraiment que je... À partir du moment où il y a une date butoir pour sortir le jeu, là c'était pas évident. Et en fait au début c'était un peu, c'était très calme, mais bon, je savais pas trop où j'allais, donc faut imaginer plutôt un immense lac, et puis petit à petit ça s'est devenu une rivière, et puis ça s'est assez accéléré, et puis c'était l'air rapide et à la fin, puis après ça s'est arrêté, voilà, tranquillou, le jeu est sorti, et relâchement. Voilà, donc à la fin, c'était des journées de 35 heures en fait, c'est ça? Ouais, c'était des journées de 16 heures, 18 heures. Donc, vous voyez, quand on est passionné, pour vous fournir des jeux de qualité, eh ben, ils ne dorment pas, les développeurs de jeux vidéo et les concepteurs. Je dormais. Justement, c'était très dur sur la fin. J'ai tiré sur la corde pendant un mois et demi, mais j'avais perdu du poids. Enfin, faut éviter de faire ça autant que possible. Même qualitativement, on peut le faire vraiment sur un coup de bourre très ponctuel, mais après, sur le long terme, qualitativement, ça marche pas. D'accord. Alors, on va revenir sur notre jeu auquel vous avez participé, Heart of Darkness, un jeu qui a mis donc 6 ans à être développé, parce que les standards à cette époque évoluaient très très rapidement. Qu'en est-il maintenant en fait au niveau des portages sur les jeux? Les portages, alors tout dépend de ce qu'on a utilisé comme environnement, mais aujourd'hui il y a beaucoup de moteurs, de librairies qui permettent de porter assez facilement des jeux. Enfin, par exemple, pour un jeu 2D, c'est pas trop compliqué de le porter sur différentes plateformes. Après, si c'est un jeu 3D qui utilise vraiment des spécificités d'une machine, ça peut être un peu plus compliqué. Et là, dans ce cadre-là, c'est bien d'utiliser un moteur pour la création du jeu qui déjà permet de construire différentes versions. Par exemple, un moteur comme Unity, on peut sortir sur PC, Mac, Linux, même sur iOS, etc. Sans souci, sans travail supplémentaire. Ouais. Donc globalement, on peut dire que de nos jours, c'est un peu plus facile parce qu'on pense à plusieurs plateformes quand on va créer un moteur, en fait. Et donc du coup, ça facilite le portage. Oui, c'est plus facile qu'en 91, par exemple. Ça, c'est sûr. Oui. Donc From Dust, ça a été notre de vos jeux phares, un God Game qui était un peu court mais qui promettait vraiment beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un deuxième qui est en préparation? Non, il n'y a rien en préparation. Il n'y a pas de deuxième From Dust en perspective là. Même pas dans un petit carton caché quelque part, hein? Ben non. Est-ce que vous auriez envie vous?
Je sais pas, il y a du potentiel. J'aime bien innover à chaque itération, pour chaque nouveau projet. Il y aura encore des choses à faire autour de FromDust, ça c'est sûr. J'en ressens pas un besoin particulier pour l'instant de continuer là-dessus. Mais là, ce que je travaille sur du procédural, et voilà, il y a un petit côté. Ce qui fait le charme de FromDust, c'est d'interagir avec une simulation, un système. Et bon, je suis toujours dans cet esprit-là d'interagir avec un monde simulé, bon, dans un autre registre, mais voilà, c'est toujours ça. Eh bien, on va y venir justement, parce qu'on va parler des projets que vous êtes en cours de réalisation et que vous aurez peut-être dans le futur. Donc, qu'est-ce que vous nous préparez de beau ? Ben, c'est pas assez avancé pour pouvoir en parler. J'explore, je fais du prototypage de différents systèmes. Et pour l'instant, c'est pas assez abouti pour que je puisse en parler. D'accord, donc on aura peut-être d'autres informations au prochain TGS si vous êtes présent, bien sûr. Ah oui, c'est possible, oui. Donc il faut rester branché et on va laisser à Monsieur Chailly le mot de la fin pour les spectateurs du TGS. Oula, alors là, vous me prenez au dépourvu. Le mot de la fin, ça m'a fait extrêmement plaisir d'être ici et puis d'accueillir les visiteurs sur le stand Pigs and Love et de partager ce moment-là. Oui, ça c'était super. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Chailly. Donc on vous retrouvera avec plaisir au prochain TGS.